rtbf.be Inside. Je fais derrière, devant. Est-ce qu'on peut quand même montrer le beau tablier de Gérald? Gérald, il est magnifique. Hein. Le challenge. Décalé. Ah Gérald, qu'est-ce que ça fait d'être un peu le Cyril Lignac de la RTBF? Qui est Cyril Lignac? Ça fout ma gueule ou quoi? Je sais même pas qui c'est. Le grand chef qui intervient dans... Mais je l'emmerde ce grand chef! Dans une émission qu'on ne cite pas. Je sais pas qui est ce garçon. Non? Maintenant tout le monde à l'échafaud! Moi j'ai dit aux candidats qu'il fallait complimenter Gérald et que comme ça ça allait peut-être leur permettre d'avoir... Non, ça ne marche même plus. Monsieur Watley, nous avons le grand honneur de vous recevoir au mess de la RTBF. Est-ce que vous êtes déjà venu manger au mess? Oui. J'étais malade, j'ai failli mourir. J'ai dû aller aux urgences après, mais bon, c'est bon. Bon, expliquez-nous un petit peu votre rôle aujourd'hui dans cette magnifique cuisine. Ah, j'ai le rôle du méchant. J'ai donné des ingrédients qu'on a mis à ces braves jeunes gens, il faut le dire. Et donc, avec ce qu'ils ont sur le plateau, ils vont avoir, je crois, une demi-heure pour réaliser une pâte. Simple et bonne avec des produits frais. Est-ce que vous allez les embêter comme dans les vraies émissions de télé culinaires où le chef vient derrière et dit « Mais c'est de la merde ce que tu fais !» Vous pouvez compter sur moi. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Gérald, on va y aller? Moi je suis prêt en tout cas. Bon, ben c'est parti. Hein. Non, pas encore. Hein. Attends, elles sont peut-être... Viens, C'est pas... Elles ont presque fini ici, voilà. Les pauvres. Oui, les pauvres. Je me réjouis de me mettre à table comme les grands chefs et de faire... Non, mais bah, ça va pas ça du tout, cet accord. Est-ce qu'on a plus d'ambulance et un service d'urgence au cas où? La Croix-Rouge qui est tout de même, prenons des risques dans ce jeu. On peut boire de l'eau en même temps. Oui, oui. Ou beaucoup de Chianti, mais moi j'en ai déjà bu beaucoup avant, donc normalement ça devrait aller. Je déteste. L'air ne fait pas la chanson, mademoiselle. Je déteste les jeux, les concours. Ici c'est sympathique parce que personne n'a de prétention. Mais je pense que c'est rarement valorisant. Pour ceux qui participent, ceux qui donnent les points sont souvent prétentieux, donc je n'aime pas du tout. Alors, Gérald dit qu'il n'aime pas, mais il regarde quand même comme un chef, bien sûr, cette formidable émission, tout le monde regarde. Et moi je regarde le début, mais en fait ça m'énerve vite parce que vu que je ne sais rien faire, ça m'énerve un petit peu. Mais je regarde le début, puis voilà. Et ici, je vois qu'il y en a qui sont moins aussi nuls que moi, donc je suis assez contente. Il y a des carnes, la pancetta, des tomates, et de l'ail, et de l'huile d'olive. Voilà. Et les amis, juste pour la télévision, hein, parce qu'on fait quand même un peu de télévision, quand on dit, on fait le décompte, et à zéro, vous levez tous les mains, comme dans les fameuses émissions. Non, ouais, mais si, faites semblant de chipoter encore, vous êtes énervés. C'est de la télévision. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé, on lève les mains. Gérald triche, donc c'est parfait. Ils viennent de la mule ou quoi? Tous mes amis. Allez, voilà. Faut noter les points. Les classements. Vous les mettez là sur le passeport. Pas dit qu'il fallait goûter. Je les appelle? Oui, parce que sinon on va. Alors vous venez tous à côté de moi, je vais goûter vos pains s'il vous plaît.
pas mauvais, les pâtes sont bien cuites. Je ne sais pas si la nette avec la pancetta était l'idéal, mais ça faisait la couleur verte. Voilà, on va voir. Hein. Alors maintenant, collège Saint-Augustin en vient. Ah oui, les deux stars. Celles dont les maris vont mourir de faim. Alors, enfin, tout est cuit, les pâtes sont parfaitement cuites, vous avez eu de la chance, l'attaque ne fonctionnait pas bien, c'est un peu trop salé, je pense que c'est à cause des anchois, mais c'est très très bon. La première pâte, par exemple, et la seconde, on sent qu'il y a une vraie osmose entre la pâte et sa sauce. Dans la seconde et dans la quatrième, il y a une sauce, des choses cuisinées, puis une pâte, et ça... Voilà, elles se sont ratées sur un quai de gare et ça n'a pas marché. Ici, on est dans l'artiste total. Et c'est Athénée Royale de Braine-l'Alleud. Oui, bravo, allons, il n'y a rien à faire. Ils ont reçu un problème avec leur pâte. Ils ne sont pas assez quick. Maintenant, c'est moi qui fais mon scorbut. Mais c'est bon. Il y a une petite recherche dans la... Comment dire, la présentation. La sauce est bonne, c'est un peu sec. Ça marque un peu de gras. Mais étant avec moi, il fallait savoir que le gras, j'aime ça. rtbf.be Inside.